Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui, on est dimanche 8 mai 2022, il est 10h37 et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Alors, je tiens tout de suite à présenter mes excuses au niveau de ma voix, donc je ne peux pas faire grand-chose depuis quelques semaines. Ma voix part un petit peu en vrille. En plus, c'est devenu mon outil de travail en ce moment, puisque j'ai trouvé récemment du boulot. En tout cas, je suis en période de formation et d'essai, donc j'aurai un contrat le mois prochain, si tout se passe bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que vous voulez savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est un retour de brocante. Le premier retour de brocante de l'année, mais c'est pas la première brocante où je vais cette année. Je suis allé à une brocante il y a quelques semaines. Je ne suis pas parti tard en fait, je l'ai appris un peu tardivement, c'est sûr, par Facebook. Et du coup, quand je l'ai su, il était vers 14h et quelques. Donc, du coup, c'était une brocante pas très très loin de chez moi. J'y suis allé, sauf que les gens commençaient à remballer les choses à 14h de l'après-midi, et oui. Et du coup, j'ai rien eu le temps de voir, et du coup, j'ai rien acheté, et du coup, j'ai fait aucune vidéo. Voilà, c'était la première brocante de l'année qui était un peu foirée. Donc ça fait quelques années que je n'ai pas fait de brocante, donc évidemment tout le monde se doute quel était le problème. Bon déjà, financièrement c'est pas forcément toujours top, mais aussi le Covid ça aide pas du tout pour les brocantes. Notamment dans ma ville, d'habitude il y a toujours chaque année une belle brocante. L'année dernière elle a été tout simplement annulée. Alors aujourd'hui donc on a attendu pareil un peu tardivement, mais dans la matinée. Parler d'une brocante par Facebook aussi, donc merci Facebook. Les gens ils partagent tout ça, donc du coup on a les infos alors que des fois il n'y a aucune pub. Donc une brocante pas très très loin. Du coup j'y suis allé tout à l'heure, donc là je suis revenu il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure. J'avais un budget maximum de 10 euros et figurez-vous que j'ai trouvé des choses intéressantes pour 10 euros. Bon, tout d'abord, j'avais repéré un DVD qui me plaisait beaucoup sur un stand. Le problème, c'est que le monsieur n'avait pas de monnaie et du coup, sur 10 euros, pardon, excuse-moi, sur 10 euros, il était presque impossible de faire la monnaie sur tous les stands où je suis allé. Finalement, j'ai trouvé un coffret très intéressant qui me plaisait beaucoup, un coffret DVD. Et du coup, j'ai pu faire la monnaie sur un stand et du coup, j'ai fait quelques petits achats, quelques petites trouvailles. On va voir ensemble que contient ce sac. Qu'est-ce donc? Je vais commencer d'abord par le début, de vous présenter dans l'ordre chronologique mes trouvailles. Sachez qu'il peut m'arriver parfois d'avoir des doubles, par exemple quand il y a des coffrets, des choses comme ça. Alors si c'est des films sympas, tout ça, ou des jeux vidéo sympas, à ce moment-là, je les mets de côté et je vous les proposerai gratuitement dans le concours de Noël de cette année. J'ai déjà commencé à mettre pas mal de petites choses sympas de côté pour le concours de Noël. Il y a quelques jeux vidéo dans une étagère, donc mis dans un petit coin exprès, et quelques DVD et Blu-ray neufs, et d'autres d'occasion. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà à préparer des choses pour le concours de Noël. Et là, dans ce petit coffret-là, donc il y a le premier film cloné en double, donc je pense que je vous le proposerai à gagner dans le concours de Noël. C'est un coffret assez sympa qui contient donc la trilogie Évasion. Donc il me manquait le avec Zouglouk, il nous manquait le 2 et le 3. Et du coup, on les cherchait depuis un moment. Donc du coup, Évasion 2 et 3 vont rejoindre notre collection et le 1 sera à gagner dans le concours de Noël avec tous les autres petites surprises. Alors bon, là, il y a le fourreau. Mais le fourreau n'est pas forcément en super état. Mais bon, après, moi, certains fourreaux, je les garde pas toujours. Ça dépend de sur quoi. Là, par exemple, c'est un fourreau assez standard. Ce qui m'intéresse plus, c'est les DVD et leurs boîtiers. Alors du coup, la dame qui les vendait, donc elle vendait le coffret à 4 euros. C'est un prix assez correct, en sachant qu'ils sont en état normalement quasiment comme neuf. Alors du coup, je l'ai cru sur parole, j'ai pas vérifié. Souvent, la plupart du temps, quand c'est des DVD d'occasion, je regarde le disque, les rayures. Mais la dame, elle a dit qu'elle a regardé une fois, elle a pas aimé, c'était pas son genre, donc elle a revendu. Et vu que les DVD, ils avaient vraiment l'air, rien hein, que le boîtier sont lisses, neufs, donc du coup, j'ai pas vérifié, mais ça devrait être bon. On va regarder ensemble par exemple pour le premier Évasion tout de suite. Hop, le DVD est bien là. Alors je me mets au niveau de la lumière du jour. Effectivement, pas de rayures visibles ni de traces d'eau visibles. Donc voilà, Évasion 1, 2 et 3. Donc j'ai eu ce petit coffret là pour 4 euros. Je pense que c'est un prix assez correct.
Ensuite, j'ai vu sur un stand, donc c'était surtout un DVD qui m'intéressait en particulier, mais du coup il y avait une promo, 3 DVD pour 1 €. Donc voici les DVD en question, que j'avais repéré au début, mais j'avais pas de monnaie, donc il fallait que je fasse la monnaie. Un film de Mel Brooks, donc j'aime beaucoup ce que fait ce réalisateur-là. J'avais vu par exemple notamment le premier Mel Brooks que j'avais découvert, c'était Sacré Robin des Bois, donc une parodie de Robin des Bois qui s'inspire un petit peu de la version Kevin Costner, mais en humoristique. C'est un humour britannique, Mel Brooks, assez particulier et plutôt sympathique. Donc là, c'est la folle histoire du monde. Je crois que le film est assez connu et du coup, ça a l'air assez intéressant. Je vous lis le speech. L'histoire du monde racontée par Mel Brooks, de l'âge de pierre à la Révolution française, nous entraîne dans les méandres les plus fous du cerveau brooksien. De Césaire à Louis XVI, tout le monde y passe, personne n'est épargné. Mel Brooks et sa bande sont au sommet de leur art. Franchement, ça fait envie, je pense que c'est rire garanti. Donc je suis très content d'avoir fait ces petites trouvailles. Et en général, les films Mel Brooks sont pas courants et pas évidents à trouver. Alors, dans les DVD, donc les 3 pour 1 euro, j'ai pris également Hors d'atteinte avec George Clooney et Jennifer Lopez en édition collector. Et un classique que je n'ai toujours pas vu. Du coup, ça sera l'occasion de le voir, l'opération Espadon avec Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry et Don Cheadle. Je sais pas si je prononce bien. Donc là, vous allez me dire, j'ai dépensé 4 plus 1, 5 euros. Il reste 5 euros de budget. Alors, il y avait des jeux vidéo, mais les prises étaient assez aléatoires, même parfois pour les DVD. Par exemple, il y avait un stand professionnel qui avait des DVD en 4 exemplaires. Donc, quand tu vends 4 fois le même le film, c'est que forcément, tu es un vendeur pro, quoi. Tu les achètes pour les revendre. Et le gars, donc, c'était le seul stand qui n'avait pas de prix fixe. Quand j'ai demandé le prix des DVD, il m'a répondu, c'est 1 euro, 2 euros ou 3 euros, c'est en fonction de. En fonction de quoi? En fonction de la tête du client, quoi. Donc, je trouve c'est assez limite, borderline, même normalement, je crois interdit, quoi. Donc, du coup, je lui ai rien acheté. Et pour les jeux vidéo, donc, il n'y avait pas énormément de choses, surtout du PS3. Je crois pas avoir vu du Xbox 360. En rétro, il n'y avait rien. Du moins, en tout cas, à l'heure où j'étais, il n'y avait plus rien, hein, s'il y avait eu quelque chose. Il y avait du PS4 aussi. D'ailleurs, j'ai fait quand même un petit achat, mais vraiment sur la fin. Une petite trouvaille sympa. Mais la plupart des prix étaient assez hallucinants, quoi. Quand tu vas en brocante, tu vas pas pour acheter des jeux PS4 d'occasion en état pas terrible à 25 euros, quoi. En sachant que tu peux les avoir dans l'hypermarché du coin au même prix, mais neuf sous blister, quoi. Les gens, ils sont complètement hallucinés, quoi. C'est surtout que c'est même pas des jeux vidéo rares, quoi. C'est des jeux vidéo courants, facilement trouvables. Donc les gens, ils ont complètement pété un plomb sur les prix. Néanmoins, il y avait un stand avec quelques jeux PS4 à 5 euros. Et bon, c'est vrai que les boîtiers tiraient la tronche. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas vendus tout de suite et que j'ai pu faire une petite trouvaille. Mais c'est un jeu qui m'intéressait depuis un petit moment. Les prix sont pas forcément excessifs. En général, ils se trouvent de temps en temps dans les promos, dans les hypermarchés, dans les 19 euros, un truc comme ça. Je voulais depuis un moment, mais voilà, je me suis jamais lancé pour l'acheter parce que je me suis dit, bon, les prix baisseront encore. C'est un jeu qui, voilà, mais qui m'intéresse un petit peu. Et finalement, le gars le vendait 5 euros. Bon, le boîtier tirait la tronche, mais je me suis dit, des fois, ça veut rien dire. J'ai regardé les deux disques du jeu parce que c'est un jeu PS4 avec deux disques. Oui, il y en a quelques-uns comme ça. Et franchement, après, il faudra que je re-regarde ici. Mais il m'avait l'air, à la lumière du jour de la brocante, il m'avait l'air nickel les deux disques. Il s'agit du Red Dead Redemption 2. Donc, je l'ai eu pour 5 euros. Je pense que c'est un prix assez correct. Et du coup, ça va être un nouveau jeu PS4 qui va revenir dans la collection. Alors, on a acheté très peu de jeux PS4 d'occasion. Donc, on doit l'avoir à tout casser 5, peut-être 6. Donc, dans ces eaux-là, en général, je préfère les acheter neufs sous blister. Parce que du coup, la PS4, elle n'est pas encore rétro. Mais évidemment, quand elle deviendra rétro, ça sera plus compliqué d'acheter du neuf. Surtout qu'il y a déjà certains jeux qui sont quasiment impossibles à trouver un neuf. Mais bon, voilà. Après. Ça m'arrive des fois d'acheter d'occasion sur la PS4, et là c'est le cas pour le Red Dead Redemption, et je pense qu'à 5 euros ça valait franchement le coup. Donc voilà, c'est tout pour ces petites trouvailles, et c'est un petit début de brocante 2022 assez sympathique. Voilà. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt, un bon dimanche, et au revoir! Au revoir!